Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une pays. Une pays, c'est une. C'est quatre ATC que l'on regroupe dans une seule, que l'on découpe après. Donc, je vais faire une pays parce que sa femme m'en voulait essayer et j'en ai pas encore fait. Alors, je vous montre un fond avec ce fond-là. Je vais le transformer comme ceci. Je vous fais voir parce que j'ai fait dedans. Des on appelle de l'embossage. Voilà, est-ce que vous voyez bien clair? Je vais allumer ma deuxième lampe. Voilà, peut-être que ça ira pas mieux, je sais pas. Voilà, je sais pas, on le voit un peu quand même. Voilà, alors la plaque embossage en question, c'est celle-ci. Voilà, donc je ne sais pas où je m'en vais exactement, mais je sais ce que je veux faire. Alors, j'ai sorti des couleurs comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a celle-ci qui est jolie. Ah. Pourquoi je peux pas l'ouvrir, hein? Voilà. Donc, je vais prendre ces petits pinceaux-là. J'en ai pas beaucoup. Enfin, disons que j'en ai, mais. Je vais les sortir. Hop. Tu as déjà bien servi. Alors, je vais essayer. Je voudrais juste essayer quelque chose. Hein. Je voulais passer tout doucement par-ci, par-là. Sur le fond de mon embossage. Alors, je ne sais pas. Oh, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai fait une grosse bêtise. Il me faudrait un papier en fait, je pense, ça, pour tamponner comme ça, pour retirer l'excédent. Et allez, sur les doigts, hop. L'excédent qui soit dit en passant n'est pas mal quand même. Mais bon, il faudrait quand même mieux répartir, je pense, que tout ne soit pas du même côté. Mais ça fait ressortir quand même. Hein. De toute façon, je voulais pas mon fond trop clair ni trop foncé. Donc je fais comme ça. Je vais reprendre. J'en ai pas une plus grosse là donc. Pour atténuer un peu. Je sais jamais où je m'en vais hein, quand je fais quelque chose. Donc en fait, je vais garder cette couleur-là et je vais pas prendre les autres et je vais même laisser comme ça. J'en ai mis partout. Je frotte de suite, voilà. Et je range de suite aussi. Voilà. Donc ça, j'ai pas besoin en fait. Je fais du bruit, ça c'est pas bien. Alors, je vais coller là-dessus des petits éléments que j'ai découpés. Alors, je t'avais déjà mis en couleur quelques-uns. Le tout, c'est parce que je voudrais essayer de disposer tout ça. Alors, j'ai pris un fond comme ceci. Je sais même plus quelle couleur c'est, ça. Ça va me jouer des tours, ça, je pense. Hein. Mais de toute façon, comme je vais les mettre en couleur après, là, c'est juste pour voir un peu comment je vais disposer sur ma pays mes éléments. Comme je dis toujours, c'est du Tetris. Du Tetris. Alors, je vais en prendre un plus long, peut-être. Ah, comme ça, tiens. Comme ça. Ça va pas rester blanc. Hein. Je le dis parce que si je fais ça, c'est un peu trop. Je vais mettre mes éléments en couleur et je vous reprends. Thank you.
J'ai fini, j'ai collé, colorisé, collé. Ça me donne ça, mais ça va pas rester comme ça, puisque je voudrais mettre de la patine. Donc, on le chiffon sur les genoux, c'est mieux. Et bon, je sais pas encore trop comment je vais faire. J'ai sorti du vert, du bleu, de l'argenté et du... Alors celle-ci est liquide par contre, mais ça fait rien. On va prendre un petit pinceau. Mes pinceaux. Un petit, ce serait mieux. Comme ça, voilà. Je vais en mettre un peu. Je ferai au doigt quand même parce que au doigt c'est mieux. Mais bon, il faut. Bon, le seul problème que j'ai avec cette patine, en fait, c'est que, comment dire, elle brille. J'aurais aimé que ça brille un peu moins. Bon, ça brille, hein. Je vais pas mettre partout de même. Bon, ben même si ça dépasse un peu, c'est rien. Après, on va essayer d'arranger ça autrement. Alors, me revoilà avec ma paille terminée. Alors, j'ai un peu merdé sur ce coup-là, ici, là. Donc, je ne sais pas quoi mettre. D'où j'ai retrouvé ce dye qui nous fait de jolies toiles d'araignée, n'est-ce pas? Hop. Je ne vais pas le mettre là parce que ça va faire trop grand. Je ne vais pas le mettre parce que ça va cacher le fond. Donc je pense qu'en fait je vais laisser comme ça, voilà. Donc je vous la montre, je sais pas si vous aurez un bon rendu parce que ma lumière elle est pas au top, les deux lampes sont allumées et c'est pas au top, donc je ne sais pas vous quel rendu vous allez avoir là dessus je vais faire une photo que je mettrai à la fin de la vidéo. Euh
Bon, alors, on va essayer de couper tout ça. J'espère que ça ne va pas planter. Je ne touche pas, moi, c'est quand je coupe. Donc, je regarde ma petite fiche. C'est 8,9 sur 6,4. Alors, 6,4. Là, franchement, je croise les doigts parce que il y a une belle épaisseur quand même. Vous voyez? Donc on va finir au cutter. J'aime pas trop hein, mais l'épaisseur étant là, on n'a pas trop le choix. Alors, ah là là, ah là 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 là. Bon, ben, il va falloir que je remédie à ça. Hein. J'avais dit, hein, c'était au petit bonheur à la chance. Alors, on va sur pause et je vais essayer de réparer ça. Bon, j'ai réparé mon petit incident là, ma petite découpe. J'ai eu chaud hein, quand même. Hein. Et oui, c'est pas facile à découper. En même temps, j'avais oublié une chose. J'ai quand même mis 3 épaisseurs dans mes tuyaux là. Et du coup, j'ai mis 3 épaisseurs. Ben, ça fait 3 fois plus épais quoi. Alors, ce qu'on va faire, on va mater quand même. On va voir trop les découpes. Vous voyez, comme là. Sinon, ça fait pas jojo jojo. Voilà. Ici. Ah, il y a un petit bout en trop là. Il y a un tout petit bout en trop. Voilà. Allez, on continue. Là, on voit quand même l'épaisseur. Hein. En mattant, ça fait quand même moins. Ça fait mieux. Mais enfin, la prochaine fois que je fais une paillis, je la ferai peut-être moins épaisse quand même. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'elle est épaisse. Attends, c'est joli. C'est vrai que c'est joli. Voilà, bon, on va reconstituer tout ça. Donc, ça c'est en haut, ça c'est là. Droite à gauche, la toile d'araignée, c'est un repère. Voilà, ben, je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée avec ma paillis parce que franchement, j'ai eu très très peur, c'est quand je l'ai coupé. Donc, je vous la refais voir comme ça. Donc, 4 morceaux, ça s'appelle une paillis. Voilà. De quel inventeur, je ne sais pas. C'est une scrapeuse, je pense qu'elle a dû inventer la paillis, mais je m'en rappelle plus qui c'est. Alors si le nom me revient, je mettrai en vidéo que c'est telle personne. Mais franchement, je ne sais plus. Alors, je n'ai pas d'enveloppe. Mais j'en avais fait moi-même, fut à temps. Alors, on va tenter de découper ça. S'il en faut 4, hein. Voilà.
J'ai que je vais tenter parce que je n'ai pas du tout de bons ciseaux. Franchement, il faut que je m'en achète une bonne paire. Je m'en excuse pour la personne qui va le recevoir. Encore, j'espère que ça va rentrer dedans. Pas très droit, hein, tout ça. Je ne sais pas si ça passerait là-dedans. On va voir. Peut-être. Hein. Mais moi, je sais pas. En ce moment, j'achète des lames. J'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus mauvaises, les lames de la FIS 15. Alors. On va faire comme ça. Prendre trop de risques. Parce que c'est quand même une nouvelle lame. Est-ce que je peux redécouper un petit peu, un tout petit peu le bord pour que ce soit droit. Oh, c'est super. Elle s'ouvre ici. Ah, j'ai pris un l'envers. Attendez. Parce que ce sont des pochettes que j'avais fait moi-même. Avant que je n'en trouve ailleurs, quoi. J'en ai plus. Je n'en ai plus. Donc, on va essayer de mettre ça dedans. J'ai pas vraiment fini parce que derrière, il faudra que je mette, que je colle derrière. Mince, on va y arriver. Mais elles sont grandes. Celle-là est par rapport à celle à Nani. Oui, j'ai pris modèle sur celle à Nani. Ah ouais, elles sont ajustées celles-ci. Hein. Elles sont vraiment ajustées pour les pays. Hein. Moi, j'ai pas ça. Hein. J'ai pas. C'est dommage. Je sais pas où ça se vend, ces pochettes-là. Dites-moi. Bon, ça rentre. Déjà, ça rentre. Enfin, du moins, là, ça rentre. Elle n'est pas baisée, hein. Oh là là, ouais, elle est pas commode cette pochette. Je vous mettrai pas, je vais regarder si je peux. Oh là là, me voilà de retour pour la fin, pour le grand final. Vous pouvez pas savoir comment j'ai pesté. Je vous dirai pas tout ce que j'ai dit hors caméra. Tellement j'ai eu de la misère. Bon, j'ai retrouvé quand même une enveloppe que j'avais achetée, donc je ne sais plus où, et qui vraiment fait la dimension de l'API. Hein. Et voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Je vous fais voir. Toujours, hein, comme je dis toujours, je mettrai en bas d'infos. N'importe quoi. À la fin de photo, comme ça vous la verrez mieux. Et bien dites donc, vous avez quoi? J'ai eu plus de misère à faire ça qu'à faire une PL. Voilà, est-ce que vous la voyez mieux comme ça? Il y a du boulot. Il y a du boulot. J'ai eu beaucoup de travail à faire parce que comme j'ai voulu faire tout en épaisseur, j'ai même eu un peu de misère à la rentrer dedans, mais voilà, ça y est, c'est fait. Je l'ai réussi. Bon, voilà. Alors, la personne, bien sûr, l'aura reçue, hein. Bon, vous verrez cette vidéo, c'est tout à fait logique. Bah écoutez, là je vais vous laisser parce que parce qu'il faut que je vous laisse. Sinon, je suis super contente d'avoir fait cette pays. Bon, moi je cherche toujours un petit peu tout ce qui est un petit peu trop peut-être compliqué. Donc la prochaine fois, je la ferai peut-être un petit peu plus simple, moins d'épaisseur. Ça m'évitera de la... Enfin, j'ai quand même réussi à rattraper, hein, vous savez, vous avez vu tout à l'heure, hein, quand j'ai coupé, à rattraper ma bêtise. Hein. Mais bon, alors, ne pas couper en plusieurs épisodes comme ça, il vaut mieux couper au massif... comment on appelle, là, la guillotine. C'est ça, la guillotine. Oui, ça tranche mieux. Et sinon, ben voilà, j'ai rattrapé ma bêtise. Alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, un petit pouce si vous avez aimé. Je cherche, j'ai pas une feuille blanche dans les parages pour pouvoir la mettre dessus. Mais j'avais des feuilles blanches, mais je ne sais pas où elles sont passées.
ici. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je redis. Je re-redis. Un petit pouce donc si vous avez aimé. Hein? Et puis sinon, oui, je vais mettre une photo donc. Hop. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire. Là, je suis dans un courrier que je voulais faire depuis longtemps, 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 qui est maintenant terminé, que je n'aurai plus qu'à envoyer et je suis super contente. Voilà, donc je vais pouvoir passer à ma petite abonnée suivante. J'espère que celle-ci, quand elle l'aura reçue, elle sera très contente, puisqu'il y aura plusieurs choses dedans, mais je ne vous dis pas, vous le découvrirez dans sa vidéo. J'espère pouvoir poster mon courrier demain, ce serait bien. Demain, on est quel jour demain? Je crois qu'on est samedi demain. Je ne sais même plus comment je vis, moi. Mais c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous. Alors, je vous mets à la suite de cette vidéo, la mélarde que j'ai fait, qui va servir d'enveloppe au courrier, qui va partir pour la copinette. Je ne l'ai pas filmé parce que tout simplement j'y ai pas pensé. Voilà. J'ai pas pensé de la filmer. Vous verrez. J'espère que vous verrez bien et que la personne, quand elle la présentera, elle pourra bien vous la présenter. En fait, je vous dis rien de plus. Je vous le mets à la suite de cette vidéo. Donc, vous aurez deux photos, le devant, le derrière. Et puis voilà, c'est la petite surprise en plus avec l'API.